Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit oubli de ma part, quelqu'un m'a rappelé que je n'avais encore jamais fait de vidéo sur l'alphabet hongrois. Ou plutôt, j'ai dû en faire une de vidéo, mais j'ai jamais dû la mettre en ligne parce que je me souviens l'avoir faite et après avoir vérifié, effectivement, je n'ai pas d'alphabet hongrois en ligne. Donc, je vais aujourd'hui vous parler de l'alphabet hongrois, ou plutôt vous prononcer l'alphabet hongrois. On va l'apprendre ensemble. Il y a en tout 44 sons dans l'alphabet hongrois. Je vais dire sons parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a 44 lettres, étant donné qu'il n'y a que 26 lettres comme en français, mais on a plusieurs lettres qui sont ensemble et qui forment des sons différents, ou alors des lettres avec des accents qui forment aussi des sons différents, mais en gros, les lettres, c'est les mêmes que dans l'alphabet français. On commence. A, A, B, C, Tché. Je ne sais pas si vous entendez bien la différence. Tché, tché, là c'est facile, on entend bien la différence. D, dzé, djé. Et je ne sais pas si vous entendez bien la différence. Dzé, djé, d, zé, d, j, dzé, djé. E, e, f. Gué, 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 gué. Ha, i, i. Je ne sais pas si vous entendez bien la différence. I, 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 i. Yé, ka, l, yé, m. N, aigne, o, e, e. Vous voyez, c'est des lettres courtes et des lettres longues. Donc, o, e, e, p, q, r, esh, s, t, tié, t. Tié. Ou, et là c'est comme pour le haut, c'est ou, ou, u, u. Donc on a des lettres courtes et des lettres longues. V, W, X, Y, Z, G. Z, G. Bon. Ben, j'espère que cette leçon vous aura plu. Comme vous voyez, ce sont les accents qui sont soit courts, soit longs. Donc, quand l'accent est long, on a des petites barres sur la lettre. Et quand l'accent est court, on a deux points sur la lettre. C'est facile à retenir. Donc, ça devrait être assez facile à prononcer. Une fois que vous connaissez l'alphabet, c'est bon. Vous savez tous les rangs hongrois, puisqu'en hongrois, tout s'écrit comme ça se dit. Voilà. Comme ça, c'est fait. Vous connaissez le secret du hongrois. Allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye!